Yo les potes, c'est Davy, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons jouer à Bloxburg. Et je vais vous faire voir ma maison sur Bloxburg. Du coup, j'espère que cette vidéo te plaira. Donc, à la fin de cette vidéo, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas sous cette vidéo. Et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Donc nous allons commencer les amis, nous allons cliquer sur jouer. Aller sur ma deuxième maison, je vais choisir mon terrain. Je vais me mettre ici, oui. Et je vais vous faire voir le travail que j'ai fait avec ma maison. D'accord, je viens de gagner 40, super. Nickel tout ça. Donc, ah oui, avant toute chose les amis, voici mon skin à quoi il ressemble. Dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez. Moi je le trouve plutôt pas mal. Du coup nous allons commencer avec la vidéo les amis. Donc est-ce que vous êtes prêts pour voir ma maison? Donc dans 1, 2, 3, voici ma maison les amis sur Bloxburg. Wow, elle est plutôt jolie hein. Donc voilà les amis à quoi ressemble ma maison. Oh en plus il fait le jour. Du coup ici vous avez un petit portique pour avoir deux garages s'il vous plaît. Deux garages les amis. J'ai deux garages. J'ai un petit garage avec ma petite voiture. Voilà c'est pas assez espacé je trouve le garage. Il faudrait que je l'agrandisse un peu plus. Non je plaisante. En plus avec des portes automatiques s'il vous plaît. Et des lumières automatiques. Ça ne rigole plus. Elle a une petite porte, voilà, les gens ils frappent pour entrer, mais parfois il y a des gens qui s'amusent à sauter par-dessus, mais ça on a l'habitude. Donc voilà comment se présente l'entrée de ma maison. Vous avez une petite sonnette, voilà. Et la particularité de cette sonnette les amis, c'est qu'il y a une caméra de surveillance intégrée, mais je vais vous faire voir tout dans cette vidéo. Comment fonctionnent les caméras de surveillance sur Bloxburg. Du coup, voilà, c'est marqué Welcome, donc ça veut dire bienvenue en anglais. Nous rentrons dans la maison. Mais ça, c'est même plus une maison, c'est une villa, les amis, une mini-villa. Donc, voici la cuisine. Alors oui, c'est un peu chelou. J'ai mis un petit ballon rouge, comme dans le film Ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce film-là. Oui les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai des invités, du coup j'ai mis 6 assiettes. 6 assiettes sur la table, donc en fait c'est juste pour la déco du coup. Donc voilà comment se présente ma cuisine. Alors dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une belle cuisine, si c'est assez spacieux. Dites-moi tout dans les commentaires, j'aime bien savoir vos petits commentaires les amis. Bien sûr avec des grandes vitres et tout. J'ai pris énormément des trucs chers. Pour au maximum avoir une belle maison. Là on peut mettre un petit parapluie à l'entrée. Là on peut poser nos manteaux. Là quand il y a le feu on peut éteindre le feu. Là ici s'il vous plaît une piscine tranquille. J'ai mis une petite piscine. Voilà j'ai voulu mettre une petite piscine. Ici il y a une petite entrée. Nous allons voir ça juste après. Nous allons faire déjà la visite de la maison. Là, j'ai mis des petits tableaux et tout. Là, mon petit salon. Alors, le salon, je le trouve trop cute. Genre, en rouge comme ça. Rouge et blanc, donc c'est trop beau. Avec les deux enceintes et tout. Ouais, ça fait... Oh, j'adore trop, les amis. Ici, du coup, vous rentrez. Vous avez le jardin avec la petite table de jardin. Le petit barbecue qui fait plaisir. Vous avez les petites chaises pour profiter du soleil plus de la piscine. Vous avez un plongeoir qui est juste ici avec des petites lumières autour pour histoire d'éclairer un peu plus le jardin. Donc voici, voilà. Regardez, en plus on peut s'asseoir et tout, donc c'est trop bien. On peut jouer au ballon dans l'eau et tout, c'est trop bien. Du coup après, les amis, nous allons passer à l'étage supérieur. Du coup voilà, voilà vous avez une petite étagère. Ici comme vous pouvez le voir, j'ai une petite porte secrète. Il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a rien de fantastique.
C'est juste une petite porte, mais je crois qu'il y a des gens qui ont remarqué que j'ai mis une porte là, du coup ils ont ouvert mes invités. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une petite caméra. J'ai mis une caméra un peu partout, dans la cuisine, dans la salle et tout. Du coup voilà. Ah oui, avant de vous faire voir l'étage supérieur, j'ai aussi une petite chambre à vous faire voir. On va allumer la lumière déjà. Hop. Voilà. Les rideaux, voilà comment se présente ma chambre. Pour l'instant, c'est la première chambre. J'ai pas d'autre chambre du coup. Je vais pas voir, je vais pas vous faire voir l'intégrale de toutes les chambres. Désolé les amis. Ça sera dans peut-être le deuxième épisode de Bloxburg les amis. Donc voilà. Donc je ferme la porte. Voilà. Donc nous allons passer à l'étage supérieur les amis. Donc voici comment se présente l'étage supérieur. Ici comme vous pouvez le voir, j'ai une petite salle de musique. Voilà. On peut jouer de la batterie, on peut tout faire les amis. Là je fais 21 Pilots, genre je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de musique. Un mec fait de la batterie, un mec qui chante. Mais d'ailleurs ce groupe-là j'aime trop. Là on peut faire de la guitare de toutes sortes. Tous ces mêmes guitares. Ici on peut faire du piano. Donc c'est plutôt sympa. J'aime trop le coin comme ça. C'est un peu espacé mais c'est une mini villa. Donc le principe d'une mini villa c'est que c'est très 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 grand en général. Ici les amis vous avez la salle de sport. La salle de sport. Donc ici nous pouvons faire du pochimball. Du coup vous allez ici et hop tac 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 tac. Voilà, c'est trop bien. Ici vous pouvez voilà faire les bras et tout. Et en plus regardez l'animation qu'il a le bonhomme. Il lève les bras et après il s'essuie le front. C'est plutôt bien fait je trouve. Après ici vous pouvez faire du tapis roulant. Vous pouvez marcher, courir, vous pouvez tout faire chez moi en gros. Vous avez une salle de musique, une salle de sport, vous avez tout, tout, tout. On a quoi s'occuper, tu vois. Ici, bah vous aurez compris, c'est la petite salle de bain avec la petite baignoire qui fait plaisir. Le grand miroir, même si je suis tout seul, j'ai deux lavabos. Avec un petit miroir là, des petits rideaux aux fenêtres et tout. Donc voilà les amis. Bon après il y a le toilette, mais ça c'est pas extraordinaire non plus. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo de ma maison sur Bloxburg de la partie 1 vous aura plu. N'hésitez pas de lâcher votre plus gros like sous cette vidéo. Et moi je te laisse regarder mes autres vidéos. Et du coup c'était Davy. Ciao. Bye les potes. It's you and only you.